Alors, le traitement de la femme chez l'enfant est difficile à mettre en place car les membres ou les orteils, par exemple, sont beaucoup plus petits que chez l'adulte. Actuellement, il est plutôt conseillé de faire des traitements précoces, l'objectif étant de se dire que si la fibrose se développe dans la première année ou dans les 2 premières années après la naissance, le traitement de l'infedème permettra de diminuer cette fibrose, hein, qui est représentée par un épaississement de la peau. Et donc, nous conseillons aux parents ou aux kinésithérapeutes de faire des bandages régulièrement de la zone avec de l'infedème, hein, donc toujours des bandages peu élastiques, avec comme objectif de réduire le plus possible le volume de l'infedème et éviter l'aggravation lors de la croissance. Ceci est vrai pour les bandages peu élastiques, et dès que l'enfant marche, si c'est nécessaire, si la peau reste très ferme ou le volume assez important malgré les bandages nocturnes que les parents pourront faire, il est important de pouvoir mettre des compressions élastiques adaptées à l'enfant, de classe 3 le plus souvent, sur mesure, en n'oubliant pas de les remplacer régulièrement, car l'enfant les use plus vite que l'adulte par son activité physique et par sa croissance, souvent tous les 2, 3, au maximum 4 mois. Thank you.